Salut à tous, donc je voulais vous partager quelque chose. Donc dimanche après la victoire de l'équipe de France, je suis allée sur les champs et j'ai reçu un pétard sur le visage. Voilà, le pétard a traversé la foule et l'a atterri directement sur mon visage. Et voilà, ça m'a ouvert. Ça m'a ouvert, j'ai dû passer la nuit aux urgences, le lendemain me faire coudre. Et voilà, je pense. Comme tout le monde, je sais pas, mais voilà, je pense. Moi, j'ai toujours eu peur des pétards. Je voulais pas que ça me touche. J'avais trop peur des conséquences que ça pouvait avoir, de ce que ça pouvait causer. Au final, j'ai quand même minimisé la chose parce que je pensais pas que ça allait causer autant de dégâts, franchement. Parce que ça m'a ouvert le visage, j'étais en sang. Ça m'a gonflé comme jamais le visage. Et j'ai quand même pas mal de points de suture. Donc voilà, j'en veux à personne parce que je pense pas que les gens qui balancent les pétards dans la foule le fassent dans l'optique de vouloir blesser des gens. Je pense qu'ils voulaient juste faire la fête comme tout le monde, comme moi. Enfin, voilà, je les comprends. Maintenant, ils sont pas conscients des conséquences que ça peut avoir parce que ça m'a quand même ouvert le visage. J'ai quand même pas mal de points de suture et j'ai quand même ouvert une putain de cicatrice. Ça aurait atterri plus haut, de la même manière où ça m'a fracassé le visage, et ça m'aurait pété l'œil. Voilà, donc la prochaine fois, balancez les pétards par terre ou apprenez à viser ou lancez-les sur vous. Parce que du coup, ça nous épargne, nous. Voilà. Je pense que. Voilà, donc je pense pas avoir mérité ça quand même. Je pense que personne mérite de vivre ce genre de choses. Maintenant, voilà, je me suis pas bagarrée. J'ai pas été bourrée. Je me suis pas pris droit dans la gueule, voilà, tout ça. Surtout, ça serait arrivé à quelqu'un d'autre et je pense que ça aurait pas été pareil parce que je dédramatise beaucoup la chose, ça aurait pu être pire. J'ai pas perdu l'œil et le fait de garder mon œil intact, ça me fait oublier toute la douleur qu'il peut y avoir. Et surtout, on est champion du monde, putain de champion du monde, et je pouvais pas laisser les pétards gâcher ce moment parce que ça fait des années que je supporte l'équipe de France et que je les aime du plus profond de mon cœur. Voilà, c'est chacun supporte, chacun est passionné par un sport, et moi, je sais pas pourquoi, mais je suis prise d'amour pour cette équipe, et je peux pas rater ce moment d'ailleurs, après m'être fait au coup de lundi matin, je suis revenue sur les champs pour les voir. Voilà, si je peux épargner des gens, c'est cool. Et voilà, donc je remercie l'équipe de France pour ce moment, putain de moment, et merci, parce que. On est champion du monde tout simplement et vous imaginez pas le bonheur que ça peut engendrer chez les gens et merci à vous. Merci, 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 merci.